Yo tout le monde, c'est Monsieur Zergos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comment avoir Wondershare Filmora 9 gratuitement. Donc voilà les gars. Donc je compte sur vous pour lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà les gars. Donc tout d'abord vous devez aller sur Google Chrome ici. Voilà, filmora.wondershare.com. Je vous mettrai tout dans la description. Vous ferez télécharger gratuit. Voilà. Ça va vous ouvrir Filmora, c'est vous l'ouvrez. Faites tout le setup, etc. Une fois ceci fait, vous allez tomber sur Wondershare Filmora 9, l'application. Donc vous le lancez, voilà, comme moi. Vous, ça vous fera un petit téléchargement, etc. Donc vous ferez votre petit montage, etc. Et après, vous allez aller, dès que vous avez fini, vous allez dans Aide, ici, en haut. Vous allez là, dans Activer, ici. Cliquez ici et là, l'email enregistré, code d'enregistrement. Vous demande ça, donc pas de panique, vous allez aller là, je vous mettrai tout dans la description comme je vous ai dit, voilà ici, et là ça vous faites contrôle C, voilà, copier, allez dans aide, activer, voilà, je vous ai dit, hop, vous allez faire contrôle V et le code d'enregistrement vous l'avez juste ici en bas, vous avez ici, donc contrôle C et contrôle V. Donc voilà, une fois ceci fait, vous allez enlever l'internet. Donc voilà, comme moi. Hop. Vous allez enlever l'internet et vous allez faire activer. Voilà, et là, Wondershare Filmora has been registered. Là, il vous a enregistré. Et là, maintenant, vous fermez cette page. C'est normal que ça vous ouvre ça. Et vous pouvez remettre l'internet comme moi et vous pouvez poster votre vidéo sans qu'il y ait la barre qui vous dérange, etc. Donc voilà, c'était une petite vidéo comment avoir Filmora 9 gratuitement sans la barre, le flippagramme, je crois que c'est comme ça. Donc voilà les gars, donc comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Monsieur Zeyrose, peace!